ont été capables, non pas accidentellement, non pas de manière criminelle, mais de manière structurelle. Ils ont été capables de rédiger les premières lois racistes, les lois sur la prévention de la transmission des maladies héréditaires qui ont frappé les Allemands en premier lieu. En 1933-34, les meilleurs médecins du monde ont frappé une partie d'eux-mêmes, les sourds, les malentendants, les handicapés. Il s'agit de se poser la question de savoir qui sont les handicapés aujourd'hui. Comment les malentendants et les sourds arrivent à se sortir de l'ornière des obstacles quotidiens aujourd'hui et comment on les y aide. Sachant que les sourds ont été stérilisés dès 1933 et qu'ils se sont retrouvés au moment où ils pouvaient obtenir réparation face à des experts qui étaient d'anciens bourreaux. Donc la boucle est bouclée de ce côté-là, l'institution est toujours la plus forte. Si on se met au service de l'institution, on va servir cette institution pour servir les pulsions de mort, très souvent. Il est très difficile, cette histoire nous le confirme, de servir l'intérêt du sujet, de l'usager. La force de l'institution va nous faire prendre le parti de cette structure, de cette histoire, et nous allons manquer l'occasion de servir le sujet. Le sujet, c'est la question d'aujourd'hui. Le travail que nous avons opéré en accueillant en 2003 les découvertes de Hans-Joachim Lang, Lang qui a fait attention de ne pas être les prochaines victimes de cette histoire. Lang a, en 2003, ramené à la mémoire collective le nom des 85 victimes complémentaires du professeur Hirt, complémentaires au nom de Menachem Tafel, dont on disposait depuis les découvertes de Klarsfeld et Pesach. Je parlais de sujet tout à l'heure, c'est très troublant aujourd'hui encore, c'est très troublant de constater que dans une faculté de médecine, à vocation symbolique, à vocation de préservation du patrimoine de la connaissance et de transmission de ce patrimoine, on puisse considérer que cette histoire soit une menace sur l'équilibre des jeunes